Yo tout le monde, c'est Kyrios. Allez, on reprend la suite de notre aventure sur XCOM Chimera Squad. On avait récupéré un mec en plus dans notre escouade, donc on en a recruté un. Lui, je l'ai mis dans l'assemblage. Mais je me demande si je ne vais pas le changer et mettre, lui c'est un truc explosif. Si je me souviens bien, c'est un expert en explosif. Surtout qu'on a la mission critique à faire. Du coup, ça serait pas mal d'en changer un. Du coup, de mettre un qui. Remplacé par lui. Parce qu'il est comment lui? Là, j'ai l'entraînement. Soigne le boîtement, sinon j'avais quoi d'autre là? Mozart, c'était l'esquive. Cherub, c'était la mobilité. Terminal, il lui restait quoi? Il gagne 2 points de vie. Terminal, c'est la heal, donc j'en ai besoin. Est-ce que je renvoie à Godmother pour qu'elle soigne son esquive? Parce que là, j'ai la mission qui est là. En plus, c'est une mission difficile, quoi. Je gagne 42 crédits et 30 de renseignements, c'est bien. Allez, on va le tester comme ça, je pense. Est-ce qu'on a? Là, franchement, j'ai des doutes de pouvoir gagner cette partie-là. Là, il faut 120, donc je peux pas. Là, je peux pas, je peux pas. Je peux rien acheter là. L'assemblage, il est parti sur quoi lui? Ah, le viseur militaire. D'accord. Est parti sur le viseur à améliorer la visée de mes armes. Ouais, j'aurais bien aimé acheter une crosse, mais j'ai pas assez. Alors, je pense qu'on va partir avec l'équipe là. Et on va voir ce qu'on peut faire. Si j'avais gagné 2 points de l'agitation au moins, ce serait pas mal. Allez, on est parti. Les forces hostiles ont besoin d'un dirigeant. Si la directrice vous y autorise, vous devrez peut-être neutraliser un chef ennemi. Il est toujours préférable de neutraliser la cible. Un chef ennemi, s'il est capturé, fournira de précieux renseignements. D'accord. On va essayer de. Axiom, qu'est-ce qu'il a d'autre? Blindage, non, non. Ah, il y a la crosse avancée. Hop là, ça lui, t'as la crosse avancée. Chérub. Ah, je ne l'ai qu'un. Ouais, j'ai gagné une crosse avancée, c'est tout. Je vais le laisser à Axiom, ouais. Mais de toute façon, les crosses avancées, je vais le mettre dans. Enfin, je sais pas si je vais le mettre dans tout, mais. Blindage. Ouais, c'est parti. Ouais,
la sens mal, moi, cette mission-là. Je la sens très très mal. Le Phénix Gris pense être là pour acheter des armes. Mais le fournisseur n'existe pas. Parce que c'est un coup monté. Quand la police locale a su que l'acheteur était le Phénix Gris, elle nous a appelés. Je n'ai jamais participé à un coup monté. Ok. Alors, mission de l'agent probable. Réflexe amélioré. Défense plus 25 points pendant un tour pour toutes les unités entrant par ce point. Donc la porte principale. La fenêtre secondaire, elle est là où elle est là. Et l'autre, elle est là. Alors, là on a des réflexes améliorés encore et le pied léger. La mobilité de toutes les unités entrant dans la zone augmentera de 3 pendant un tour. Bah lui on va mettre Cherub avec je pense Axiom. Non. On va mettre Godmother. Non, on va mettre Terminal. La fenêtre. Dans l'un, on va mettre Axiom. Et dans l'autre, on va mettre Godmother. Allez, c'est parti. On s'infiltre. Infiltration. Ok. Phalange. Partiel. Allez hop, tire d'infiltration. Ah oui, il perd quand même presque tous ses points de vie. Il perd 90% de ses points de vie. Même s'il a l'abri partiel, bah, je pourrais tuer lui, mais. J'hésite entre tuer lui ou alors lui, s'occuper de lui. Ouais, on va tuer lui. Comme ça, c'est bien. Et du coup, les deux là, ils peuvent s'occuper de lui. Ah, j'en étais sûr. C'est bon. Alors, toi, soit il tire sur lui. Ouais mais non. Alors toi t'étais comment? Toi t'as 61 points, enfin, un bruit partiel. Non. Ah, s'il attaque la charge, c'est juste pour celui-là qui est là. Ouais, mais non. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'il va charger ici, donc ça ne sert à rien, le légionnaire. En fait, il faut laisser là. Donc, que ce soit là. Python.
défense. Légionnaire. On va essayer de lui. Ah, raté. Ah, mais je crois que je l'ai raté. Je crois que cette mission-là, je vais la perdre. Je sais pas pourquoi. Bah toi t'étais juste là. La couleuvre elle est juste là. Là c'est one shot hein, direct. Voilà. Je peux couvrir la zone. Partez. Et là, je sais ce que je vais faire. Lui il est directement là. Si je le tire, est-ce que je l'OS? Normalement ils auraient le même tir. Yes. Donc ça c'est bien, j'ai pas loupé. Donc je suis content. Légionnaire, il est juste là. Vous l'avez bien cherché. J'ai mon bouclier. Voilà. Alors, toi. Soit t'es là. Celui-là, non. Je peux pas tirer parce qu'il y a. Il y a. Mince, comment ça s'appelle ? Terminal qui est là. Donc, ça me sert à rien du tout. J'ai une légionnaire qui est là et l'autre qui est là. Ouais, pas me faire grand chose. Bon, alors ça je le mets en vigilance. Comme ça dès qu'il bouge ici, ça en prend une. Là. Voilà. Moi ça c'est réglé. Toi, bah, tu l'as juste là. Une frappe chargée, ça. T'es comment toi? T'es quand même un peu blessé. Donc non, je vais faire vite fait plutôt là. Viens ici. J'ai trouvé une meilleure position. T'es quand même blessé. Tu y arriveras. Tiens de l'arme. Ici. Vas-y. 4 points de dégâts, il lui reste plus que 2 points, logiquement ça devrait être bon. Toi, bah t'es juste là en plus, tu peux tuer logiquement. Voilà, bon, ça c'était fait. Ce sont des gardes du corps. Le Phénix Gris a dû envoyer un VIP pour conclure le marché. C'est une confirmation ? Non, mais on sait que les VIP du Phénix Gris se déplacent avec une escorte. Bon, interpellez tous les VIP que vous verrez. Alors, porte sécurisée, porte à clavier. Visez 25 pendant l'infiltration pour toutes les unités entrant par ce point. Ok, montrez l'exemple des gars, plus 3 pendant l'infiltration. Et... moins d'ennemis agressifs sont situés dans cette entrée. De toute façon, on va prendre Godmother. Elle a le truc. Donc, hop, ici. En même temps, on va prendre Axiom. Et là. Une bonne visibilité. On va prendre Cherub. Terminal. Ça c'est pas mal ça. Et là je peux rien faire non. Ça.
Ok. Vas-y, comme ça, ça rend 2 points de vie à tout le monde. Restez derrière moi. Infiltration, infiltration. Ça a pas l'air trop grave. Ah, comme ça, tout le monde est fini. Toi, Python, t'es à 100%. Un paladin. Là. Lui, il est là. Lui, il est là. Python, on va faire un tir. Hop, 3 points de dégâts. Normalement, tu dois l'OS. Logiquement. Logiquement, il devrait se faire one shot. Essayer. Hein. Ouh, non, même pas. L'autre, elle est... je veux plutôt l'OS celui-là. Hein. J'espère. Allez, hop. Ah bah, vas-y. Voilà. Et vas-y. Il y en a un qui est en vigilance. Vigilance, c'est bien. Alors. Sécuriser le niveau d'usine, trouver le fournisseur, récupérer l'épreuve. Alors. L'épreuve, ils sont là. Ok. C'est toi. Qu'est-ce que tu pourrais tirer sur qui? Là. Ah, attends, j'ai un truc là. Bah oui. Oui, toi tu vas mourir. Faudra juste que j'évite de passer par là. Mais normalement si je tire là, toi tu prends un sac. Tu prends les gaz. Donc normalement tu vas morfler. Il y a trop en jeu. Un agent a perdu connaissance. Ah déjà? D'accord. Pour lui, hein. Parce que du coup, t'es là, t'es en face de moi, donc t'es dead. Voilà. Alors, à qui? On va récupérer l'épreuve. Hop, on va récupérer l'épreuve, donc toi, tu vas aller ici. J'arrive tout de suite. Raté. Alors, toi. Si. Alors là. Voilà, hop.
encore raté. Ouais bah. Un peu chiant. Là tu vas aller là. La preuve va te récupérer. Normalement t'es là, tu devrais le toucher. Vous ne pourrez pas nous contenir. Oh, fait critique. Voilà. C'est qu'il y a une couverture complète là aussi. Merde, j'aurais pas dû faire comme ça, là je joue mal. Je dois recharger. Voilà. Ça c'est fait. J'ai presque plus de munitions. Vas-y, recharge. Arme rechargée. Normalement. Fais ça, et c'est bon. Non, vigilance aussi. Verrouille les ennemis. C'est sympa. On fait la même. Non. On fait la même. Tout va bien ici. Je vais là où je dois être. Tuer. Je suis presque à sec. Recharge. Mon arme est pleine. Reste en vigilance. Je tire sur tout ce qui bouge. T'énerve pas. Tu restes en vigilance aussi. Je passe en vigilance. Ça me rassure. Voilà. Ah, j'ai encore un peu merdé au début, mais c'est pas grave. Le VIP du Phoenix Gris doit être plus loin. Maîtrisez-le si vous pouvez. On obtient plus d'infos s'ils sont en vie. Ah bah du coup, j'ai accès à mon... À lui. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Oui, bah continuez. Bah action, Godmother, lune, et voilà. Je peux rien faire, je peux rien faire. Ah,
Charge insuffisante, d'accord. Restez derrière moi. Couverture complète. Partielle, bonne visibilité, donc voilà, 100% de chance de faire des dégâts. Si possible. Ok, donc là on va essayer de faire rapidement. Alors toi, t'es là. Toi, tu vas aller. Tu vas peut-être rester là. Non, tu vas aller là. C'est un méchant. De toute façon, tu vas falloir t'en partir en vigilance ici. Soit lui ou soit lui. Ah, attends. Ah, logiquement, tu le tues lui. Ah, même pas. Ah, raté. Je me repositionne. Alors, ah, c'est toi. Lui déjà, hop, comme ça. Axiom, il est contre le mental. Hop, petit droïde. Non, j'ai pas tué Axiom. J'ai tué le Dominator. Là, libère Axiom. Ici, comme ça, lui, il bouge. Je reste près de vous. Ouais, comme ça, j'ai perdu 5 points de vie. Comme ça, il est tranquille. C'est votre faute. Bon. Toi. Même utiliser un midi pack. Là, j'ai un petit peu mal. Bah, tu vas aller là. Je serai bientôt à sec. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Le fournisseur, on va essayer de le maîtriser, tu vois. Mais on va déjà tuer lui.
un coup de... Vous ne nous arrêterez pas. Avant qu'il y ait d'autres renforts, je pense qu'il arrive. T'as raté, c'est pas grave. Tu vas le maîtriser, lui. Ah non, tu peux pas maîtriser, lui. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Et là, tu peux maîtriser, lui. Ouais. Allez, vas-y. Mon robot qui maîtrise, lui. Cible maîtrisée. Et voilà. Bon, bah, c'était rapide. J'ai perdu un mec. Bon, au moins, c'est mon robot, il a été... Pour la première fois, j'ai utilisé. Bon, opération du gantelet hurlant terminée. Alors, nombre de tours, ennemi tué, ennemi capturé, si vous sauvez, j'en ai 4. Alors, capture un ennemi, vous y réservez 20% de chance de gagner 20 renseignements. Bon, c'est déjà pas mal. Évaluation, bien. Je sais même plus c'était comment avant. Blessure grave, blessure. Ok, continue. Bon, bah voilà. Alors, agitation du centre historique, moins de 40 crédits, 30 de renseignements, preuve récupérée, donc 35 Illyrium, plus 20 renseignements grâce aux ennemis capturés. Bon bah voilà. Centre historique a été réduit de 3. Oh, c'est encore mieux. Ok, continuez. Bravo. Aucun vendeur d'armes n'osera plus traiter avec le Phénix Gris. Pas tant que l'escouade chimère sera en ville. Bon, bah c'est pas mal. Opération active. Mettre fin, mettre un terme aux enlèvements extraterrestres. Le Phénix Gris est impliqué dans une récente série d'enlèvements extraterrestres dans la cité 31. Découvrez pourquoi le Phénix Gris veut ces extraterrestres. Nous devons les ramener chez eux. Ok. Ok, continuez. Ah, promotion prête. Chérub, ton esprit est... Je n'ai jamais rien vu de pareil. Merci du compliment. On peut dire que je suis un clone unique? Tu dis ce que tu penses au moment où tu le penses. Tout le monde fait ça, non? Rarement. La communication demande souvent de la prudence, de l'abnégation et une mise en scène mutuellement consentie. Ça fait beaucoup, tout ça. Je préfère dire ce que je pense et m'occuper des choses sérieuses. C'est-à-dire? Le lever du soleil, les gaufres, rire, la fumée du bois... Tu sais bien, quoi? La vie! Je commence à mieux te comprendre. Ok. Promotion prête. Ah, ok. On a le choix. Soit baroud d'honneur. En cas de segment de diminution, Godmother voit ses points tomber à 1 et agit directement au tour suivant une utilisation par mission. Débusquement, Godmother tire sur un ennemi, ce qui le force à changer de position, mais ne lui inflige aucun dégât. Donc c'est vrai que je perds un point de vie, mais je peux jouer au tour suivant. C'est bien, mais... Là, c'est juste pour tirer sur un ennemi qui le force à changer de position, mais ne lui inflige aucun dégât. J'en avais pas une qui avait un truc là. Non, lui, bah non, lui il est pas là. Lui il a ça. Lui il a rien. Ah oui, lui c'était ça, et bah toi, non. Bah tiens, on va tester, allez hop. En cas de saignement et de diminution, Godmother voit ses PV tomber à 1 et agit directement au tour suivant. Bon allez, on va prendre celui-là. Donc ok, ça c'est fait. Ok, capacité des équipes de terrain.
Ok. Donc soit j'ai là, soit j'ai là. À Riverside. Là, on verra ça après. Cicatrice de l'agent. Ah oui. Perte 3 en mobilité. Bon, ça c'est pas grave. À l'entraînement, je peux envoyer personne. Là, je pourrais faire un remplacement. Renvoyer quelqu'un à l'assemblage et envoyer quelqu'un à l'entraînement. L'autre il va reprendre sa place. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ok, bah du coup on va s'arrêter là hein, pour cet épisode. Hein. On continuera hein, la suite. Hein, en partant, on va être une mission. Donc je sais pas, je verrai. Du coup, moi je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.